Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de votre accompagnement, de votre soutien et de votre implication. Je me sens encouragée. Allons-y. En voiture. Où est-ce qu'on s'en va? Comme ça. Colère. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Continuons d'explorer. La vérité. Révélation d'une vérité. Comme une vérité qui choque. Continuons. Explorons la carte de la vérité. Bon, ici, on nous parle de quoi? Explorons. Vérité. Une vérité qui entraîne un changement significatif. Une vérité révélée. La carte des dangers. Bien ici, la carte de la vérité peut me parler aussi d'un réseau. Il y a quelque chose ici qui s'effondre. Ça n'a pas tenu le coup. Ça ne pouvait pas tenir le coup. Sur quoi avons-nous construit? Bien, ça a été mal construit. Ça n'a pas tenu le coup. Ici, c'est la carte qui nous parle, oui, d'une libération à la fois. Le défi va être de reconstruire. Donc ici, on pourrait penser aussi que je découvre la vérité, je suis très fâchée et ça entraîne un changement au niveau d'un lien. Bon, ça va être à vous de décider quel changement que vous souhaitez opérer. Au moins, on a accès à la vérité. Mais là, j'ai l'impression que la vérité nous a vraiment déstabilisés. Destinée, qu'est-ce qu'on me dit ici? Changement. On s'ouvre au changement. Je pense qu'on est prête à saisir une nouvelle occasion, saisir une opportunité, prendre un risque, oser. Ce sont ces énergies-là. On veut aller voir ce qu'il y a derrière la porte.
équilibre, et justice sur justice. La carte de l'équilibre est la carte de la justice, de la loyauté, de la vérité. C'est la carte qui vient mettre fin au conflit, au malentendu. Elle vient mettre de l'ordre dans le désordre. C'est la carte de la paix. Justice divine, justice sur terre, deux cartes d'équilibre, deux cartes de justice. Intuition maintenant. La carte de la joie. Retour de la joie. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? On dirait que j'attends le retour de la joie. J'attends patiemment. Est-ce que j'attends une personne? J'écoute. J'observe. J'écoute mon ressenti. J'attends que la justice opère, que la poussière retombe. Il y a probablement ici quelque chose qui est en train de se régler. Justice sur justice, carte de paix, qui vient mettre fin au chaos. Univers, qu'est-ce qu'on me dit? En tout cas, c'est certain qu'on voit clair. Deux cartes qui expriment les faits. Quels sont les faits? Univers maintenant. La carte de la passion, la carte de la vie. Le monde. J'ai comme l'impression ici de rencontrer une personne très passionnée qui a le goût de profiter de la vie au maximum. C'est une carte d'accomplissement, de libération. La vie. Ici, le monde, l'étranger. La paix, la libération, l'accomplissement. On dirait que c'est la vie. Le retour de la vie. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Attendez, je vais prendre une autre carte au lieu. Oups! Bon, je reviens. Reconnaissance de soi. Respect de soi. Voilà. Respect de la vie en soi. C'est la vie.
respect. Équilibre le monde. Où que tu sois, tu mérites d'être respecté. Équilibre sur terre. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le retour du respect ici. Le retour du respect. Bien là, d'après moi, on a découvert une vérité. Il y a eu une révélation. Qui entraîne un changement significatif. Ici, clarification d'une situation, équilibre, paix, clarification, juste mesure, justice pour tous, paix pour tous, ici aussi. On mérite d'être respecté. Les êtres vivants, le respect. Et ici, on est prêt à opérer un changement. On ouvre une nouvelle porte. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Liberté. Liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner les liens du passé. Ici, on ouvre une nouvelle porte. Se libérer. Je vais vous lire le message. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Oui, c'est comme si on changeait de vie ici avec la carte vérité. C'est comme si on laissait une ancienne vie derrière soi. On renaît. Nouvelle vie. On va tout reconstruire sur une nouvelle base. On va reconstruire le lien peut-être. Ou bien, on nous parle ici d'un nouveau. On va saisir une nouvelle occasion. On s'ouvre à l'inconnu ici. C'est un changement significatif ici, avec les deux cartes, là. Ouais. Continuons. Libérez-vous du passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez, et chanter pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà! C'était votre message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps, du beau soleil. À la prochaine. Bye bye.